est de retour pour cette GSL en compagnie d'un spécialiste. Alors, évidemment, il connaît tout à la GSL, il connaît tout à StarCraft 2, Heart of the Swarm. Il s'agit de l'elfe. Bonjour, tu es là. Bonjour l'elfe, comment vas-tu? Bah écoute, je casse la GSL, comment je vais? Bien! Ça doit être le plus beau jour de ta Ah vie. ouais, c'est pas loin. Comme nous là. Le plus beau jour de ma vie, c'est chacun des trophées de MVP. Ah, mais en GSL, en GSL. Et Alors, GSL. effectivement, Ah bah c'est lui qu'on a gagné le plus. tu te rappelles, effectivement, ouais, il y a quelques années, on commençait à caster, on commençait à faire des vidéos sur YouTube et on découvrait eh bien, la GSL, le niveau de la GSL, les casters anglophones de la GSL qui sont bien sûr des exemples. Tu vois, c'est un peu, en un sens, Testosis. c'est un peu eux qui ont tiré, franchement, qui ont été une inspiration, je pense, pour toutes les compétitions du monde Je entier, à pense mon avis. vraiment, ouais. Le cast de la GSL, les mises en scène de la GSL. Attention là-bas. Et du coup, on va partir sur une belle rencontre. Allez, on est dans ce groupe D et on va avoir Rein Ouais. qui va jouer contre Impact. Exactement. SKT Rein contre Axiom Et alors, Impact. pendant la pause, tu m'as dit que tu t'attendais à un massacre. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner des éléments là-dessus? Bah, je trouve que Rein est quand même très 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 costaud en PvZ et il a accessoirement un honneur à laver, c'est-à-dire qu'en deuxième tour de GSL la saison dernière, Ouais. il s'est vraiment mais totalement fait dessus, c'est-à-dire que vraiment toute la communauté était là, mais mon Dieu, comment a-t-il pu aussi mal jouer dans sa vie, Rein, pas toi, pas maintenant. Et résultat, là je pense qu'il a vu que SKT c'est quand même l'équipe qui domine en ce moment, ils ont des gros joueurs dans chaque race et notamment Ouais. surtout les Protoss. Il doit remettre quelque chose là. Aujourd'hui, il doit montrer qu'il a rien à faire en Koda, il doit marcher sur ce groupe, c'est à mon avis c'est impératif. Allez, Rein qu'on voit ici en bas à droite sur Foxtrot Labs, la carte où tu peux miner la gold pour eh bien ouvrir un nouveau passage. Exactement. Et Rein qui moi je l'avais vraiment remarqué comme étant un des meilleurs à son époque. Genre pour moi c'était on va dire il y a un an, mais parce que il s'exportait beaucoup il y a un an, peut-être un peu moins maintenant. Mais il fait moins de compétitions internationales que la GSL. Bah Mais. disons que l'année dernière, tu avais un format qui faisait que tu avais Ouais. une finale de saison et qui fait qu'ils étaient forcés d'aller à l'étranger une fois par les cinq Ouais. premiers étaient forcés d'y aller. C'est un peu pour ça qu'il a voyagé parce que SKT, on voit quand même pas grand monde à l'étranger. Ouais, c'est clair. Mais pour en revenir au probable coup de force de Cet homme Rein, est heureux. il a l'air très content. C'est un petit peu étonnant. Et il y a aussi qu'Impact. Impact n'a pas d'expérience en GSL. C'est la première fois qu'il arrive à s'y qualifier. Et résultat, donc, et en finale Et de ça? DreamHack, il avait eu très très peur. C'est-à-dire qu'il avait fait une DreamHack magnifique. Et derrière, en finale, il s'était totalement fait Et dessus. ça, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Un pack qui fait partie du line-up Axiom. Axiom. Qui fait partie du line-up Axiom. Exactement. Et je veux dire, est-ce que c'est le seul joueur du line-up Axiom qui a été. Comment ça s'est passé en fait? Total Biscuit a pris une gaming house à Séoul. Ouais, ils ont une gaming house à Séoul où tu D'accord. as donc les autres hein, qui sont Rayoung, Art, que j'en oublie pas, il y a Alicia, Crank et il y a MMA qui vit avec eux en temps normal et Innovation d'ailleurs. Donc là ils sont entre guillemets amis avec Acer avec qui ils avaient fait la GSTL à l'époque. Ouais. Et donc Axiom Impact c'est le dernier arrivé, hein, il est arrivé pour remplacer Mia qui était parti à la retraite. C'est un ancien joueur Quest'Pain hein, quand même, mais qui a jamais été très brillant pardon. C'était Mamori si je dis pas de bêtises son ancien pseudo, là j'ai un petit doute là-dessus, faudrait que je vérifie. Mais donc c'est par contre le seul jeu des joueurs Axiom qui tente sa chance en Corée, les autres tentent leur chance aux États-Unis pour les WSS Amérique. Ok, alors Rein qui avait vraiment, j'en parlais avec Anos tout à l'heure, qui avait vraiment fait parler le PvZ Ah ouais. avec les pressions prisme de transfert. Et honnêtement, au moment où il avait développé tout ce style de jeu basé autour des prismes de transfert, je m'étais dit, c'est pété, tu vois. Genre, c'est trop fort. Parce que je m'étais dit, en fait, au niveau du mind games, c'est juste trop fort pour le Zerg. Parce que tu arrives avec ton prisme. Ce qui est bien avec le prisme, c'est que en fait, tu peux t'enfuir avec un prisme. T'es pas obligé de te commit en fait. Mais c'est un potentiel agressif énorme. Parce que si tu warp 7 zilotes en une seconde, ah bah le prisme, du coup, il devient agressif, tu vois. Ouais. Et les Zergs avaient beaucoup de mal à lire dans le jeu de Rein, tu vois. Bah c'est lui qui a fait quand même pleurer Dondrégou en finale de SL. Ouais! Il Et avait fait là. pleurer, c'est-à-dire qu'il avait vraiment, comme tu dis, avec son jeu de prisme mais hyper agressif, il l'avait tellement humilié que derrière, plus rien quoi. Il avait déclenché les larmes de Dondrégou qu'on a vu hyper impressionnant hier. Et donc voilà, Rein, ouais, non, Rein qui est vraiment un artiste dans tous les match-ups, c'est quelqu'un,
C'est pas le plus agressif des Protoss. Et là, peut-être qu'on a le plus agressif des Zerg. Ouais. Impact qu'a compris face à qui il jouait. Il sort le Roach Warren à 5 minutes. Ouais, alors, en temps normal, contre Protoss, pour que les gens comprennent bien, le Roach Warren, c'est... À moins d'avoir vu en face un Catgate, enfin une strat agressive, le Roach Warren, c'est 6 minutes 30, 7 minutes. Ouais, voilà. 7 minutes 30, ça commence à faire tard. 5 minutes, c'est une marque d'agression. Ouais, voilà, 2 minutes trop tôt, entre guillemets. Puis voilà, 2 Overlords, comme le montrait le. Ouais. Ça veut dire vraiment, il va y avoir grosse production de Roach là. Et ça n'a pas été scouté par Rain, hein, ça, il ne le sait pas du tout. Donc il va falloir qu'il tienne. On a pas, il y a un début de wall, donc ça c'est plutôt bon pour lui. Il a son Mothership Core qui accumule de l'énergie, mais ça fait de la sentry. Il va falloir tenir. Il n'y a pas de canon ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression. Et en plus, honnêtement, c'est une situation où Rain, j'ai pas envie de te faire mal, l'elfe, mais Rain pourrait perdre la partie dans les prochaines secondes. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a 8 Roach, mais derrière il y a le Speedling. Ça veut dire que tu as 20-25 Zerglings qui vont suivre. Si ça rentre, en Protoss, c'est ça. Si tu passes le pylône et les Force Field, et game over, mon gars. Les Zerglings sont dans ta base, c'est là, fini. Il ne le sait pas, il pose seulement une Forge, donc je pense qu'il se doute de quelque chose quand même, ou même pas, c'est peut-être juste son build. En tout cas, je pense qu'il sait rien. Je pense qu'il sait vraiment rien pour le coup. Ça va être une question de nombre de sentry et de temps de réaction. Il a 2 sentry, pas un canon, il a une surcharge. Impact. L'impact peut passer. Non mais Impact est complètement all-in et c'est parti. Les Roach qui arrivent, il va falloir 1 sniper le Zealot, 2 sniper les pylônes. Attention, les probes qui sortent, le Zealot qui tombe. Qu'est-ce qu'on vient sniper? On snipe la gate, ok. On focus la gate. Là il est vraiment dans la merde. Les gaz qui ont été cancel, il va falloir sortir d'autres sentry très rapidement. Une gate qui est supprimée, je pense pas qu'il puisse défendre pour être honnête. Il y a tellement de Roach, ça va passer. Non, ouais. Oh, le mur de pylônes qui ralentit encore un petit peu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, 3 sentry, c'est le DPS d'un pigeon, mon gars. Ça n'a aucun DPS des sentry. Ah, il est en train de passer là-dessus, Impact. Bah, il n'y a plus d'énergie. Le truc, c'est qu'il y a des pylônes en face, quoi. Il y a des pylônes. Des fucking pylônes. Ouais, ça n'a pas de DPS en pylône. Et la surcharge qui a peut-être été lancée un poil tôt, mais pour l'instant, les force fields qui tiennent, ils tiennent. Il tient. Il est en train de tenir. Bah, tu penses... Regarde, ça passe pas à chaque fois qu'ils se rendent dans le bâtiment. L'armée, la taille de l'armée en face ne diminue pas non plus. C'est pas faux. C'est ça le problème. C'est que la taille de l'armée ne diminue pas. Les canons qui vont se terminer, ça va aider avec un peu de DPS. Ah ouais, là il en a besoin. Et non mais le truc si. Il reste un force field. Il peut tenir avec le dernier force field. Il est en train de tenir. Il est en train de faire le hall du millénaire là-dessus. C'est scandaleux s'il tient ça. Il tient un all-in Roach avec des sentries et des pylônes. J'avoue. Il a tenu avec des fucking pylônes. Il a complètement tenu. Ouais, je pense qu'il l'a tenu, quoique. Attends, attention, il n'y a plus d'énergie sur les sentry. Plus un seul. Et GG, il l'a tenu. Il l'a tenu, et je peux vous dire que. C'est n'importe quoi ce hold. C'est un hold qui est extrêmement difficile. Ça n'existe pas. Je pense que personne ne réussit ça sur le ladder, tu vois. Mais même en GSL, il n'y a pas grand monde qui fait ce qu'il vient de faire. Hein. C'est la moindre erreur, le moindre force field qui est raté, la moindre sentry qui est hors de position, c'est fini. Quoi. Et au-delà de le rater, s'il n'est pas dans la bonne demi-seconde, c'est fini. Ouais. Ça rentre, c'est fini. Rain vient de faire un des plus beaux holds de cette saison, même sur les games qui arrivent. Vous ne verrez pas beaucoup de ça, vous le verrez rarement. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit très rarement. Le mur de pylône qu'il a fait avec à chaque fois le pile force field, moi je trouve j'avais peur qu'il ait lancé sa surcharge un peu tôt parce que résultat, elle a pas TP pendant 10 premières secondes. Mais finalement, ça tout a tenu. Et le Mokor, j'aurais bien aimé connaître le nombre de kills parce que la saleté, le truc. Clairement, ça s'est accumulé, mais. Ah non, mais ce hold, j'arrive pas à croire qu'il ait défendu. Et aussi, pas. La lucidité parce que. Pour moi, le moindre. En fait, il a fait le hold parfait. Et si un pylône, il avait choisi de faire une photon à la place, c'était fini, quoi. Parce que, notamment, un pylône, si je dis pas de bêtises, c'est 400 points de vie avec le bouclier. Et une photon, c'est 300. Tu vois, donc, ça, c'est un petit détail. Et c'est moins cher aussi, le pylône. Mais ça tape pas, forcément, quand c'est fini. Mais du coup, dans un premier temps, tu bloques en dépensant du minerai dans des gates et dans des pylônes. Mais tu bloques. Et dans un deuxième temps, genre, t'es en train de te faire presser. Ça fait une minute que tu défends. Attends, tu dis ok, là je fais des pylônes, je dépense mon minerai pour bloquer et après je vais commencer à lancer des photons, tu vois. Mais rien que ça, en plein stress, d'avoir la lucidité de prendre cette décision, je trouve ça. Ça et la lucidité d'aligner ses propres devant parce qu'il les a sortis super tôt alors qu'elles étaient hors d'atteinte. Hein. Il en a beaucoup à chercher à miner les, un peu plus. Les cancels des deux gaz, tu vois, genre tu sens qu'il a tout fait en un instant. Et vraiment, Rain qui. Décision de making de Jésus là-dessus, c'est. Rain qui, voilà, Rain qu'on voit à l'image, qui montre, franchement, il est pas là pour rigoler, tu vois. Il fait ok, Impact, quoi, Assertive Story Cup, tu joues bien. You thought you could come to Korea. Ok. Now I show you yourself.
H-O-U-G-S-R. Ouais, Impact là, quand même, qui a dû prendre un petit coup derrière la tête là-dessus, parce que perdre cette game alors qu'il était tellement bien. Alors Impact qui va scooter très 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 rapidement, très vite, ouais. Bloquer un Nexus First, oui, bloquer ou éventuellement un Hatch Block. Un petit proxy. Ça peut être timé sur une Hatch à 15 chez l'adversaire. Ouais, là. Ça peut être une Hatch à 15 chez l'adversaire, ça tout dépend si la probe fait demi-tour pour bloquer. Elle ne fait pas demi-tour. Elle ne fait pas demi-tour, du coup, il va envoyer une autre probe pour scooter. Non, il va faire ça Hatch chez lui là. C'est Hatch chez lui ça. Ouais. C'est vraiment juste un scoot. C'est marrant, c'est vraiment très très tôt comme scoot. Hein. En fait, c'est un scoot qui aurait servi si il avait bloqué un Nexus First à 17. Tu vois, parce que Nexus First, c'est, ça se fait à 17. Ouais, mais par contre, et puis en plus, il pouvait voir que c'est une gate first et qu'il va pas être menacé par un éventuel cannon rush. Donc, c'est aussi sérénité dans la pose de sa deuxième match à lui. Mais c'est très cher le scoot. C'est très très cher le scoot. Par contre, je pense qu'en gérant bien, tu peux deny le Nexus pendant extrêmement longtemps. Il est en train de le faire là d'ailleurs. Non, mais là pour moi, il a mal géré parce que. Enfin, pour moi, un drone c'est plus fort qu'une probe en 1v1. Donc. T'attaques la probe et t'attends qu'il sorte la deuxième. Et tu le prends, à la carotte. Ah, tu prends la probe contre probe, le drone il gagne en 1v1 quoi, à un coup. Et résultat, il vole le gaz. Est-ce que c'était juste pour sauver son drone ou est-ce que c'était vraiment un vol de gaz? En tout cas, B320, on est dans le. Je pense que c'est juste pour voler son drone, à mon avis. Pour sauver son drone, je vois pas trop l'intérêt du vol de gaz. Attends, il a l'air de le laisser se terminer quand même. Ah non, ça y est, il a cancel à la dernière seconde. Il le relance. Ah, il a décidé d'être pénible. Les bonnes stratégies du ladder français. On vole des gaz parce qu'on est des pros. Ça coûte quand même 3 000 euros. Pour montrer qu'on est un pro, on vole du gaz. C'est ça, je te vole ton gaz. Alors attention, un zilote. Ah, ça force la production d'un zilote aussi. C'est toujours ça de prix. Quoique, ouais, contre Zerg, le zilote, quand même, il servira à beaucoup de choses. Ça sert toujours un zilote. Ouais, je suis d'accord. C'est jamais gâché. Autant contre Terran, c'est pas toujours utile, mais contre Zerg, ça sert toujours. Et du coup, la partie qui se pose, c'est vrai que. Bon, on voit face B3. Moi, je mettrais Rain quand même légèrement devant dans cette game. Il s'est fait scooter très très tôt à 13, ça coûte cher au gaz, au Zerg. Il a Nexus un tout petit peu tard. Il a posé sa troisième match vraiment très très rapidement. Honnêtement, là, je pense que c'est du. Ils sont coude à coude. Ouais, là, ouais, ouais. Il n'y a pas encore de points déterminants pour l'instant. On va leur laisser poser leur jeu et nous donner les clés de cette rencontre puisqu'ils ont foultitude d'options sous la main. Mais les clés de cette rencontre, toi, tu les connais puisque tu penses que Rain devrait s'imposer dans cette deuxième rencontre ou... Surtout après ce qu'il lui a mis à la première en fait. Quand tu tiens ça, à mon avis, tu sens, il y a des moments où tu sens qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Quand tu tiens ce qu'il vient de tenir, Rain, avec ce qu'il avait, c'est-à-dire, comme tu le disais, une sentry, ça tire comme un pigeon, avec des sentries, il a tenu des roaches et il s'en est foutu quoi. Il n'avait pas un immortel derrière histoire de dire j'ai du DPS, il a tenu un truc intenable. Donc là, il doit se sentir tellement bien. Ouais, c'est clair. Et je sais pas si t'as vu la petite diversion. Genre là aussi c'est un détail, mais un détail qu'on voit pas en Europe, hein, c'est tout. Petite diversion avec un Zergling dans la B2. Le Zilote, on le kite. On voit que, je crois qu'il a vu que le Stalker arrivait. Il esquive le Zilote avec le Zergling pour partir. Il avance son Overlord. Il voit que son Zergling est pas suivi par un Stalker. Il recule l'Overlord sans avoir scouté parce qu'il a pas envie de le sacrifier pour rien. Le Stalker revient parce que l'autre a capté que c'était une diversion. Genre là, déjà, haut niveau, tu vois. Genre, haut niveau de réflexion, quoi. C'est du mind game, comme le dirait l'ami moment. En tout cas, on est parti donc sur un 5-gate blink hein, sur Rain qui devrait faire une petite pression avec ça, normalement. Ouais. Voire une bonne pression. Pas de forge hein, pour l'instant. Donc, et pas de robot. Donc, bon, personnellement, je suis un peu déçu. Voilà, 6-gate, pardon, blink. Ah, 6-gate, ça devient un peu agressif quand même. Ça commence à tapoter, 6-gate. Ouais, 6-gate, en théorie, tu veux finir la game là-dessus. Hein. Ah, tu peux essayer, en tout cas, ouais. Il en faudra une 7ème, il faut toujours une 7ème gate. Et surtout, là il y a une question de map control, hein. Pour l'instant rien n'a été voilà, vu par Impact. Non mais regarde Impact. Bien, là cet Overlord là il le sacrifie et il le sacrifie il juste titre. Il sait que c'est 5, voilà, il a peut-être vu le warp là. Oh là là. Eh ben si, mais attends, il en a fait 7 au final. Donc là il le voit. Voilà, là c'est vu, c'est ultra vu.
Il a pas vu le pylône par contre, et là le speed qui est encore quand même assez loin d'être terminé. Ouais, la défense contre, à ce moment contre Blinkstalker, ça va être Roach Zergling Speed et de bons engagements. Il vous faut les deux pour répondre contre Mass Blinkstalker. Le truc c'est que tu vois, son Roach Warren est à moitié fait, ses Zerglings sont à moitié, son Speedling est à moitié fait. Donc il va devoir défendre avec du slowling pendant quand même un moment, il choisit de contrer. Ouais, il est mal. Attention, la B3 qui est sous pression, Impact qui n'est pas apte à défendre cette agression, qui va tenter le trade. Et pour l'instant ça marche pas mal, hein. Y a pas de sentry en face. T'inquiète, mur de pylône. Le mec c'est un maçon. Le mec il gère les murs de pylône. Mais comme personne, en plus voilà, il a warpé 3 zélotes, ça va être la merde là pour Impact. Oh là là, et puis la bubule, ouais, ça va faire très très mal. Il va pouvoir lui kite sa mère avec ses en blinkant. Voilà la micro du blink qui normalement devrait être bonne chez Arena. C'est ultra rentable la micro du blink là, ce qu'il fait, ouais. Mais il n'y a pas le speedling en face. Voilà le speedling qui vient de se finir. Il le voit, il peut choper les stalkers. C'est la seule chance d'Impact de rester dans cette partie, de choper ses stalkers, de prendre la fight de G2. Et franchement, la fight qui est en train de prendre Impact est vraiment excellente. Je sais pas si t'as vu ça. Si, il a vraiment bien géré. Il a anticipé les mouvements de blink de Rain. Il savait très bien qu'il pouvait pas aller dans 45 positions. Et résultat, voilà, vous voyez des pertes supérieures pour Rain qui est donc passé derrière littéralement. Et donc Impact qui a en plus sauvé sa B3, hein, qui s'en sort plutôt bien. Il a perdu quelques drones, mais là il est passé devant. Là il est devant là. Il est devant. Puis surtout il y a zéro tech, hein, il a le blink et rien. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, pas de robot. Je suis d'accord. Pas de dévo, je crois pas qu'il y ait de chambre d'évolution. Dark Shrine, c'est dire à quel point il est derrière. Ouais. Non, je suis d'accord, il est devant parce que quand tu recherches le blink, t'investis dans 6-7 gates, le blink, un conseil crépusculaire et c'est tout. Tu n'as pas de sentry sur lesquels capitaliser, une robot, une forge. Donc effectivement. Il est derrière et la forge qui se fait pendant que justement c'est Evo Chamber, on cherche le speed roach hein, chez Impact, on est pas mal. Il faut là, ça aussi, c'est bien. Ça va être. Je pense, qu'il est vraiment dans la merde, Rain. Hein. c'est pas terrible. Non, il est vraiment mal parce que le pire, c'est comment tu vas prendre ta B3 en fait. Avec quelles unités? En face, il y a 30 Zerling. Est-ce que tu fais 12 Stalkers pour aller prendre ta B3? Mais auquel cas, 12 Stalkers pris en minerai, donc retard sur la B3, très cher minerai. Est-ce que tu fais des Zealot Sentry? Tes Zealot n'auront pas le plus en attaque. Il y a 30 Zerling en face, t'as intérêt à pas rater ta fight. Et puis c'est des speedlings. Des speedlings. Il n'y a aucune bonne solution pour le Protoss pour prendre B3 et c'est ce qu'on vient de voir là. Voilà. Cancel de. Et le run by de Zealot qui va pas faire grand chose, hein, qui a chopé une queen et un spine, mais ça va être tout. En fait, 700 de minerai pour une queen, un spine, c'est pas fabuleux. Ouais. Donc ça continue de creuser pour Impact. Hein. En fait, il n'y a aucune transition possible pour Rain après ce all-in. Il n'a pas réussi à le rentabiliser. Il n'y a pas de transition possible, quoi. Là, il fait au mieux. Alors, il n'a pas encore perdu, hein. Il peut réussir à prendre B3, Il peut peut-être réussir à faire quelque chose avec ses DT aussi. Faire un all-in ou avec ses DT. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a cancel, ça, Shrike? Parce qu'il n'a rien fait avec pour l'instant. On n'a pas vu de DT apparaître. Je sais pas s'il l'a cancel, j'ai pas surveillé ça. Faudrait qu'il remonte la position. Et on voit une robot à moitié faite. Il a quoi en gaz? Il a pas énormément de gaz. Peut-être pour ça qu'il attend. Mais peut-être que les vigilants l'ont un peu découragé, entre guillemets, de faire quoi que ce soit. En tout cas, son plus 1 d'attaque se termine et pour l'instant, pas de DT a priori. Il a du cancel. Allez, attention, la robot le plus 1 d'attaque. Du coup, un ops. Du coup, Rain, on a l'information, il va tenter la partie macro en retard. C'est ça, mais bien en retard quand même. Hein. C'est ce qu'il va tenter. Ah, en face, tu me diras, ça fait que des unités depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le Zerg, mine de rien, il est à 60 drones contre 50 pour le Protoss. C'est pas 80 drones, tu vois, c'est 60 drones. C'est rattrapable économique. Si Rain réussit à tenir sa B3, alors bon, je vous cache pas qu'il va falloir les forces huiles de Jésus, mais s'il réussit à tenir, ça ira au niveau économique et technologique. Attention, le Zerg qui prend la fight, les forces huiles qui sont plutôt bien. Il y a le blink pour aider Rain à défendre. Ça blink très bien, les zélotes qui étaient mis au bon endroit. Par contre, les sentries là qui sont un peu explosives, qui sont out of mana. Mais ça tient, par contre, il y a le bureau qui empêche Rain de faire quoi que ce soit. Il doit attendre son Ops qui revient en catastrophe. Mais ça, c'est à l'avantage du Zerg encore une fois. Remarque qu'il y a quand même vraiment beaucoup de stalkers. Je suis pas convaincu là parce que fait Impact. Impact qui pourrait s'empaler. Alors, toutes les sentries et les zélotes qui vont tomber, on peut défendre avec pur stalker plus 1. Ils sont plus 2, je crois. Ou bon petit run by de Roach ici, on vient choper quelques probes. Ouais, mais il est en train de donner toute son armée pendant ce temps-là. Ouais, c'est clair. Rain, il est en train de tanker. Il est en train de tanker. Voilà, et donc là surcharge photonique qui est lancée sur la B2. Et l'armée qui est clean, hein, l'armée principale de Impact qui s'est fait clean parce qu'il avait une bonne micro en face. Aïe, attention, on va pas redonner trop de probes quand même pour Rain. Mais là, attention, Impact qui s'est quand même grave donné. Ouais, c'est clair. Hein. Là, au final,
Ouais, il a pris 10 probs. J'ai l'impression qu'il a pris une dizaine de Ah, probs. autant pour moi, Il a... le 2 d'attaque n'était pas terminé. Autant pour moi. Donc Et c'était du 1 aussi, contre 1. je tiens à dire que pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de B3. Donc, même si on a pu avoir l'impression qu'Impact s'était empalé au niveau de l'armée, pour moi, il est encore. Alors, il y a beaucoup de troupes qui se dirigent vers sa base, mais là, il n'y a pas de B3 en face. Puis il a perdu quand même beaucoup, hein, quand Il a même. 32 pop devant. Il avait beaucoup plus Je en, pense et qu'il peut beaucoup moins tenir, en hein. perte. Normalement, il peut tenir, ouais. Attends, qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il a, ouais, il a pas énormément, il a pas très lourd en rouge, hein, quand même. Hein. Là, il va falloir. Il faut que. Attention, hein, Reign, il est complètement all-in. Il faut qu'Impact prenne cette agression vraiment au sérieux. Il tente le run-by. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Je crois qu'il a besoin de toute son armée parce qu'il faut qu'il tienne ça. Ah, il y a quand même beaucoup, hein. Et c'est parti, les Blinkstalkers. Attention, Impact, il pourrait perdre la game là-dessus. Il y a 32 pop d'écart. Ouais, 42 pop d'écart, c'est beaucoup quand même, hein, dans ce Ouais. match-up. Tu penses que c'est rattrapable? Bah ça dépend, il y a quand même beaucoup de. C'est des Mais il n'y a pas de Blinkstalker plus force 2. field. Hein. C'est des Blinkstalker plus 2 quand même. Et finalement, les Speedlings qui sont à chaque fois envoyés. Qui sont pas, enfin, qui sont plutôt en run-by qu'en offensive. Alors que là, il en aurait besoin justement pour empêcher les Stalkers de venir gratter un peu les roaches. Et Ah. ouais, ça va être compliqué quand même pour Reign là-dessus. Allez, attention, Reign qui essaye d'avancer tel un guerrier. Il ne peut plus reculer, mais Impact qui a juste trop de troupes, trop d'économies, trop de tout. Je sais pas, je vois les roaches qui tombent assez vite, hein, l'air de rien. Il y a une très 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 bonne blink micro de Reign. C'est vrai qu'il y a une très très bonne Il perd rien, micro. il perd rien. Tous les stalkers Ah, sont en orange. Il est en train de j'avoue. dépoper littéralement. Non, mais le truc, c'est que Impact, Il a encore il pas s'est pris trop ses armes, commit. quoi. Mais puis il a... Non, mais le pire, c'est que quand tu te commits hors du creep, il n'y a pas de fuite possible, tu vois. Les 4 queens qui vont tomber. Et là, Et la pop Impact, il doit qui être en quoi. train de se dire. Mais je suis bête. Non. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Et voilà, il est obligé de Est-ce que. descendre avec des drones et Ah des bah, est-ce hazardlings. que je viens de donner la game là? Et bah, la réponse est, à mon avis, oui là-dessus. Parce que là, il défend avec des drones contre des stalkers plus 2. Généralement, c'est pas bon signe du tout. Surtout qu'il y a des zélotes également pour leur faire des câlins. Il reste 3 queens contre une masse de stalkers. C'est mal barré là pour le Attends, mais hazardling. c'est. Honnêtement, je trouve ça incroyable ce qui vient de se passer. Reign. Et GG! Reign qui fait une très 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 grosse impression dans ce match-up. Alors, ok, donc lui, il perd pas en fait. Lui, c'est juste l'homme qui valait 3 milliards. C'est-à-dire quoi, Tu penses qu'il est mal? Et non. En théorie, il est mal et il réussit à gagner quoi. C'est. C'est-à-dire, ouais, il a écrit, tiens, tape GG tout de suite, de toute façon, t'as perdu. Et finalement, non. Honnêtement, moi, enfin. Ah, les deux games, il aurait pu les perdre, hein, Mais clairement. là, Impact, il doit se dire, attends, mais comment je gagne en fait contre lui là? C'est pas possible là. J'étais devant, enfin. Je lui fais le bon all-in qu'il voit pas, ça passe pas. Je défends parfaitement son all-in et Ouais. derrière, j'arrive pas à gagner. Enfin, Non que faire? mais t'avais raison, t'avais raison. Reign qui est véritablement un monstre dans ce match-up. Il perd pas, il a pas envie. Et Reign, attendez, hein, parce que dans le winner match, Reign va jouer contre Cure. Cure qui est. Alors je sais pas si on dit Cure ou Cure. Cure, Cure. à l'anglaise. À l'anglaise, Cure qui est un Terran qui a des mécaniques de jeu fantastiques. Enfin, je pense qu'on va vraiment voir des étincelles. On fait une petite coupure et on vous retrouve tout de suite après. Restez dans le coin. À tout de À suite. tout de suite.